Je suis Sungalo Traoré, président de l'AJCP, l'Association des jeunes pour le civisme et la paix au Burkina. Et l'Association des jeunes pour le civisme et la paix au Burkina est une association qui œuvre pour le bien-être surtout de la jeunesse, en particulier aussi pour les personnes, le bien-être des vieilles personnes. Voilà, ce sont les buts de l'association. Ce matin, nous avons décidé de faire ce don symbolique au secteur structuré du ministère de l'Énergie, parce que nous jugeons bon de commencer par cette structure-là qui, dans cet élan de solidarité, nous avons constaté ces derniers temps qu'il y a vraiment de l'amélioration au niveau du secteur de l'énergie. Pour saluer cette vraiment image de la Société nationale d'électricité en passant par le ministère de l'Énergie et les encourager à faire mieux dans ce qu'ils font. Voilà pourquoi ce qui nous a motivés ce matin à faire le don au secteur structuré pour saluer de passage tout le ministère en particulier et tous les responsables de la nationale d'électricité. Voilà ce qui nous a motivés ce matin à nous réunir. Et il y a une panoplie de dons qui commence dès samedi. Nous allons aussi aller au ministère de l'Éducation pour faire des dons en faveur des élèves pour bientôt la rentrée et également. Au niveau de l'orphelinat et de la maison d'arrêt, nous envisageons aussi faire des dons. Voilà, c'est une panoplie d'activités qui commence ce matin et donc nous invitons aussi des bonnes volontés à s'associer à nous ou de faire en tout cas mieux que nous. Voilà la raison ce matin. Okay. Est-ce que vous pouvez nous donner un peu de la composition du matériel que vous venez de remettre? Alors, la composition ce matin du matériel du don est composée de kits de lave-main fabriqués même par des jeunes de l'association, de la JCP, et des bidons d'une fabrication artisanale locale que les jeunes de l'association ont mis en œuvre pour ce don. Et aussi des cache-nez et du savon Citec. Voilà. Ce don est symbolique, c'est juste marqué effectivement et le départ d'une panoplie d'activités que nous avons jugé de faire. Ce matin. Est-ce qu'on peut estimer à peu près le coût Non, pour nous, ce don n'a pas de coût. C'est une question, c'est une volonté commune. Voilà, donc nous ne pouvons pas estimer ce don en un coût. Voilà, c'est des bonnes volontés. On s'est mis ensemble pour vraiment faire ce don de bon cœur. On ne peut pas évaluer ce don. Voilà, c'est assez symbolique pour nous. Monsieur Bassenga Thomas. Je suis le coordonnateur sectoriel du ministère de l'Énergie, bien sûr du parti MPP, le parti au pouvoir. Alors ce matin, on reçoit un don très important de l'association AJCP. C'est un acte citoyen à louer, voilà. Et c'est une première d'ailleurs pour nous depuis le début de la pandémie. C'est une première de recevoir quand même un don pareil. Et ça nous va vraiment droit au cœur. D'autant plus que ça va être utilisé pour, en tout cas, permettre à certains de pouvoir respecter les mesures barrières. Voilà. Alors, en tout cas, nous allons acheminer ce don à qui de droit et faire également, en tout cas, un retour à nos différents responsables. En tout cas, ils sauront bien où diriger ou canaliser en tout cas ce don. Voilà. En tout cas, à leur endroit, à l'endroit de l'association, c'est vraiment un grand merci pour en tout cas cet acte-là. Voilà. C'est tout ce qu'on peut dire en tout cas pour le moment. On attend encore des réactions, d'autres réactions, en tout cas de citoyens ou d'associations. En tout cas, c'est ensemble qu'on pourra quand même faire arrêter cette maladie. Voilà. Merci bien.